On voit maintenant des classes flexibles dans les écoles ordinaires, c'est plus seulement dans les écoles alternatives. Les enfants ont des besoins vraiment différents. La diversité est de plus en plus, elle est reconnue. On a de la place pour tous les individus dans les classes, dans les écoles, donc c'est important de répondre aux besoins de tout le monde. Concrètement, la classe flexible va avoir différents lieux. Il va y avoir des lieux pour se regrouper, il va y avoir des lieux pour le travail d'équipe, puis il va y avoir des lieux où les enfants vont pouvoir simplement s'isoler pour faire leurs travaux. Les enfants vont pouvoir choisir des endroits pour s'asseoir ou choisir des coussins, par exemple, qui vont les aider à mieux se concentrer sur une chaise ou qui vont leur permettre de bouger sans déranger nécessairement tout le groupe. On peut retrouver des vélos stationnaires, justement, pour faire de la lecture ou, un enfant n'ira pas travailler à l'écrit sur un vélo stationnaire. Mais c'est que ça permet aux enfants de faire des apprentissages, mais en même temps répondre à leurs besoins de bouger. C'est sûr qu'en bout de ligne, la classe flexible, lorsqu'elle est bien installée, bien organisée, bien conçue, va permettre aux enfants de réussir. C'est sûr que ça, c'est la principale visée. Par contre, au quotidien, les enfants sont plus engagés. Il y a le sentiment d'appartenance qui se crée parce que souvent, elle est créée en collaboration avec les enfants. C'est tous les élèves qui en profitent. Je dirais qu'il y a certains moyens qu'on choisit en classe qui sont peut-être plus spécifique à certains élèves, mais moi, je ne les oblige pas, en fait, à choisir un endroit ou l'autre dans la classe. C'est eux qui choisissent leur endroit pour travailler, qui leur conviennent. Souvent, les élèves, au début de l'année, vont essayer tous les endroits de la classe, mais au fur et à mesure que l'année avance, souvent, les élèves vont choisir un endroit et c'est souvent l'endroit qu'ils vont pratiquement toujours utiliser pour travailler.